L'épisode a surpris par son intensité. Il est 20h50 hier soir lorsqu'un violent orage de grêle s'abat sur Toulouse. En quelques minutes, certaines routes deviennent impraticables, obligeant les automobilistes à rebrousser chemin. Les terrasses sont recouvertes d'un épais tapis blanc et le trafic de la ligne B du métro est interrompu en raison d'infiltration d'eau. Submergés d'appels, les pompiers interviendront toute la nuit, principalement pour des opérations d'assèchement. À partir de 20h30, on va dire, jusqu'à 7h, ce matin, on a traité 350 interventions. Quelques-unes restent en suspens encore, puisqu'on a une cinquantaine d'interventions qui ne sont encore pas traitées. Au plus fort de la nuit, on avait 80 personnes donc, qui étaient sur le terrain, avec une vingtaine d'équipages. Avec 10 cm de grêle relevés par endroits, Toulouse est devenue la ville blanche l'espace de quelques heures. En cause, un phénomène météo très localisé, mais relativement courant à cette époque de l'année. Il y avait beaucoup d'air chaud au niveau des basses couches de l'atmosphère et il y avait de l'humidité suffisante et aussi un contexte en haute atmosphère favorable. On a enregistré entre 20 et 30 mm d'eau, mais en espace de 20 minutes uniquement, ce qui correspond à peu près à la moitié d'un mois de pluie. Et si l'orage passait, ça roule pour certains, c'est la galère pour d'autres. Une longue nuit d'hiver en plein mois de mai, Toulouse n'avait pas vu ça depuis 1989.